Parlement jeunesse l'a déposé devant Sénat, Convention internationale sous droit socio-économique à Kiltirelio. Direction administration pénitentiaire bien local PAL n'en fait moi ça grâce à support MINUSTA à QSAID. Ingénieur brésilien yo mette main pour protéger cloche cathédrale là qui fait partie patrimoine pays d'Haïti. Quelle que soit situation timoun nan yé, pas profiter de lui, au contraire protéger. Après avoir symboliquement ratifié en Assemblée nationale le PIDES, solennellement, nous réclamons la ratification par la 49e législature du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Je pense que dans la pratique, le PIDES nous dit que dans le cadre, par exemple, de la reconstruction, il ne suffit pas de construire un immeuble. Il faut que cet immeuble serve à quelque chose, il faut que cet immeuble serve à promouvoir, augmenter l'accès à l'éducation, à l'emploi. Il faut également que cet immeuble soit accessible à des personnes ayant un handicap, par exemple. Donc le PIDESC crée un cadre, il jette une base pour une meilleure politique et des gouvernements et des acteurs internationaux dans le pays. Tout jeune qui n'a pas à suivre, quel que soit le type, quel que soit l'âge, et on peut qu'être tout le monde, nous, avec les qui descendent, venir joindre nous dans l'âge, donc marcher avec nous dans sa café, donc on voit qu'il est à cœur là. Et, merci monsieur, féliciter pour le choix que je veux faire, et moi, je ne veux pas hésiter à accepter de collaborer avec lui, pour débattre avec lui, pour qu'on va dire, bel geste là pour montrer que si nous tous haïtiens nous collaborons, nous sommes capables d'avancer plus loin et nous sommes capables de nous faire de l'avenir. Côté loyer et la côté de l'aller. Mais ça a bougé, ça va être. Et puis cette fois. Dans l'année 2004, employé direction administration pénitentiaire courut quitter cité militaire à cause insécurité. Depuis les ça, c'est dans propriété privée ça, sous route frais, l'État relocalisé travail administration pénitentiaire. Institution gen 1000 employés. Dans local là gen plus civil. C'est yo qui gère base information toute prison dans pays ya. Non, l'âge, photo ak empreinte prisonnier. Mais au besoin plus espace pour chita et puis stocker document yo. Pour employer au travail dans plus bonnes conditions, direction pénitentiaire et écrit mission Nations Unies mandé le support. Et yon nouveau bureau, c'est un bagage qui était vraiment important pour nous et nous cap dire grâce à et démarche ensemble que nous fait avec MINUSTA, nous t'ai posé problème là et nous cap dire qu'on est là, nous en passe pour nous vendre un nouveau bureau, ça va permettre que chaque directeur chita dans un bureau, secrétaire avec secrétaire lui permettre lui réfléchir et ben le plus rapidement possible pour l'administration. Administration pénitentiaire choisit terrain ancien centre psychiatrie Delma 75 ans pour bâtir local payo. Sorti 22 septembre, rivé fin octobre année ça, ingénieur japonais ministère démolit bâtiment qui te prend gros choc 12 janvier 2010 là. Travail japonais qui pour faire sur site ça, c'est démolir bâtiment. Faire nivellement terrain et puis compacter. Donc la travail est fini à partir de là. Terrain fin paré, kounya c'est phase installation bureau préfabriqué. Tout ouvrier sous chantier a ses employés MINUSTA payé pour faire travail là. Dépenses pour projet ça a coûté MINUSTA $308,190. Gen yon compartiment 9 bureaux qui gen tan paré. MINUSTA mette campé yon total 27 bureaux, chaque a mesuré yon longueur 6 mètres ak yon largeur 3 mètres.
C'est mission Nations Unies qui a mis matériel, 72 ordinateurs, 10 imprimantes classées métalliques dans chaque bureau. Ici, c'est pour le nouveau local administration pénitentiaire. Donc, le projet, c'est un projet qui est financé par la MINUSTA. Non seulement le financé, l'a implémenté et exécuté par la MINUSTA, c'est dans le cadre du renforcement de l'état de droit. MINUSTA finit à partir par là dans fin mois. Mais c'est USAID à qui on valait 737 000 dollars américains qui a pris possible travail mettre campé Mirai, Clotti pour sécurité, direction administration pénitentiaire. Cathédrale Port-au-Prince là, bien que construction ait commencé depuis dans l'année 1884, si jodi an li te campé même jan toujours ak tout prestige li, mois de décembre sa t'ap fè 97 ans depuis messe ap chanté la donne. Mais ça t'est fini pour li 12 janvier. Et c'est pas ça qu'empêcher quelques rendez-vous prières toujours kembe même jan. Mais sous site ça qui sont patrimoine national, sous site ça qui gagne passé siècle, déco a changé. Fréquentation a changé. Activité qui a brassé dans lieu Saint ça a changé tout depuis 12 là. C'est comme ça que quelques mois de ça, cloche centenaire manqué à le bois chat. C'est là où il va le faire. Donc on y a fait c'est mon sous tes fait en fait d'avoir déjà. Semblait tout à derrière et prend et là-dedans. Et puis là, il y a un qui se tombait. Et malheureusement, c'était la cauchemère. Sans paix, sans crainte, sans respect pour l'histoire, il y a une cloche cathédrale là qui a commencé à vendre par Timosso. Mais ça a créé la donne. Pour protéger cinq cloches qui étaient, HVCA a demandé concours UNESCO. Cette opération de démontage des cloches de la cathédrale a eu lieu à la demande de l'archevêché qui, comme beaucoup d'autres instances, se plaignait d'actes qui visaient la destruction de ce qui restait du patrimoine. Et donc, c'est à ce moment-là que l'UNESCO a essayé d'aider l'archevêché à récupérer et mettre en sécurité les cloches qui restaient dans le clocher. Côté l'autre cloche qui était marconnée en l'air, 17 rotes yo là. Jean yo pesé lou ça. Descend yo sené sauf moi des matériel avec expertise. Au départ, l'UNESCO voulait faire appel à une entreprise haïtienne pour faire le travail de démontage. Malheureusement, l'expertise nécessaire n'existait pas, semble-t-il. Et donc, c'est pour ça que nous avons dû attendre un certain temps que l'expertise soit identifiée. Et c'est la MINUSTA qui a pu nous aider à répondre à cette demande de l'archevêché pour le démontage des cloches. Avant pour une première cloche réussie touchée tête, ça témoigne des cases bleues brésiliens de 3 jours de travail. Son patrimoine n'est-ce qu'il a cherché à sauver. Il faut bien voir qui j'en a maintenant. Couper gros bout de fer qui était encerclé aux cloches qui étaient, démarconner, et puis descendre grain par grain, sans yo pas gain même tête fait mal. Opération ça très important pour nous ingénieurs brésiliens parce que n'a pas aidé protéger une partie dans patrimoine culturel et historique pays d'Haïti et conserver au pour demain. Est-ce que mon cap vivre moment ça rend compte que son moment historique qui a vivre là rencontre avec cloche Sayo qui gagne plus passé 100 ans. Cloche Sayo qui sorti dans fonderie ville le Dieu dans Normandie pays la France. Cap coulé bronze depuis le Moyen Âge. Cloche sa yo qui était atterri par Boïsite dans une époque côté Haïti t'a construit tête li.
déplacement cloche ça, même si vous avez 100 garçons, vous n'avez pas qu'à le vent cloche. Et ouais, donc c'est pas de gros matériel ça, on a été venu prendre et pour aider nous, peut-être que d'accord étant à l'aide. Ouais, donc mais proximité cloche avec une bonne autre sentiment. Ouais, donc il y a des bagages grands que le monde fait avec Méo. Donc, vous sentez qu'à travers le monde, ça, ouais, la grandeur de Dieu. Nous pas jamais qu'à compter combien carillon la joie mariage, grosse célébration solennelle, qu'est cassé incendie, la peine enterrement, cloche ça au sonné. Cloche cathédrale, yo gen histoire, yo gen identité. Notre-Dame pesait 17 000 kg. Julien, Alexis pesait 13 000 kg yo chaque. Sultan Antoine Simon, sud d'Artignave, gen passé siècle de ça, yo te nan flè jeunesse yo. Cloche yo gen yo passé avec opération sauvegarde ça, avenir yo pas menacé. Souè pou yo, c'est que yon jou kon sa, nan reconstruction pays a, y va carillonné encore. What dis a fait droit ti moun nan? C'est pas pour tout le monde ça yo. Si là yo, yo ta remen vivon l'autre gens. Mais semble c'est celle nan rêve ya wè ça. Celle nan rêve. Non mais si la même qui prend pose à protéger yo. Yo konn si bit toute qualité des agréments. En bas couverti protection ça yo. C'est pas des mauvais services non yo fait ou fait. Mauvais causé oui. Ah non. Ah non. Ah non mes amis. Quelle que soit situation ti moun nan ye, pas profiter de lui. Au contraire. Protégez-le. Thank you.